Les danseuses urbaines étaient sous les feux de la rampe ce 23 septembre 2016 à Cotonou, la capitale économique du Bénin. C'était à la faveur de la troisième édition du She's of Fire, un festival de danse urbaine féminine. Ce rendez-vous de la danse a réuni plusieurs clubs de danseuses représentant 5 pays d'Afrique et d'Europe. Objectif, détecter et valoriser la gente féminine à travers les danses urbaines. Sous le regard d'un jury professionnel, les danseuses ont révélé leur talent par le biais de plusieurs épreuves. C'est pour inciter ces jeunes filles-là qui sont encore sceptiques ou dont les parents sont encore sceptiques à se lancer dans la danse. Ça peut peut-être commencer de la passion juste pour s'amuser et devenir quelque chose de professionnel. Ça peut devenir un boulot. C'était d'un bon niveau. Certaines filles ont pu jouer sur les acrobaties, d'autres ont pu jouer sur la danse. Donc finalement, ce qui a prévalu, c'était vraiment le niveau de la danse. Parce qu'à un moment, c'était un peu difficile. Beaucoup faisaient d'acrobaties, mais ne dansaient pas assez. Et d'autres dansaient beaucoup, mais ne faisaient pas d'acrobaties. Donc pour nous, le jury, c'était très difficile de juger. Mais finalement, ça a été les meilleures danseuses qui ont gagné. Le rythme des pas de danse, la synchronisation du groupe, l'originalité, la gestion de l'espace, la présence d'esprit des danseuses et la réaction du public sont entre autres les critères d'évaluation des membres du jury. Au terme des différentes épreuves, les danseuses du Dreamster du Nigeria ont été sacrées vainqueurs de cette troisième édition. Nous remercions le Seigneur et nous remercions notre directeur artistique. Nous remercions également tous ceux qui nous ont supportés, tous les Nigérians vivant au Bénin et tous les Béninois. Nous avons appris beaucoup de choses à travers ce festival. Nous vous disons un grand merci. Le Togo, par le biais de cette danseuse du groupe Royal Family, s'est offert la deuxième place à cette édition. Rappelons que cet événement promeut depuis 2013 les danses urbaines féminines. Tous les regards sont tournés vers la quatrième édition qui se tiendra en 2017.